répandre sur le code électoral. C'est un projet qui a été analysé en Conseil des ministres. Prochainement, il sera analysé au Parlement, les deux chambres, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous osons espérer que, dès que c'est fini, ça sera promulgué par Son Excellence le chef de l'État. Mais qu'à cela ne tienne, en attendant la promulgation de ces lois, il y a pas mal d'activités à faire. Donc la CENI ne sera pas désœuvrée. Donc on aura du travail à faire. Les autres textes existent. C'est peut-être question d'amendement. Quand un texte n'est pas encore changé, il reste en vigueur. On va commencer par le commencement. Il y a un cycle électoral. Il y a les activités préélectorales, électorales et post-électorales. On ne va pas réinventer la roue. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Nous allons tout faire pour que les élections se passent correctement en respectant les règles de l'art.